Bonjour, ici Andorki. Aujourd'hui, je vous parle de la vidéo de la le résultat final de la tour. Ça prend un petit peu de temps avant que je la fasse à cause. J'étais pas mal occupé pendant tout le temps. Bon, ça donne tout ça. Finalement, il est pas aussi haut que je croyais. À cause d'une limite à tout. Ça prend, il y a 20 étages de 4 murs de haut dans cette dans ce truc. La montée et descendre, ça prend 1 minute 22 environ. Pour monter avec l'ascenseur soi-même. Sinon, je m'en suis plus d'informations que j'ai pas mal. On va pas faire les 2 heures. Pas 2 heures. On va pas faire les 1 minute 22. Je vais t'attendre à vous montrer le haut. Même en fly, là, comme ça, c'est un petit peu long. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Là où il y a pas mal de lumière. Il faut éclairer pas mal toute la zone. Ici, c'est pas mal tous les espaces. Si on peut regarder comme ça. On voit assez bien la base. Les créatures marines et une partie de la base. Ok, oui, j'ai genre t'as remarqué en même temps, j'ai pas encore de... justement en même temps j'allais vous montrer d'autres constructions que j'ai faites là-bas. Ça m'a fait penser avec le kraken, il est plus là. J'étais allé chasser un moment donné avec et à ma base aquatique. Là je sais pas pourquoi, j'ai fabriqué deux nouveaux bateaux. Je sais pas qu'est-ce que dans ma tête, quand j'ai rien à faire dans mes temps de jeu, je construis des bateaux. Ça peut que ça soit un petit peu long. Justement, j'ai pas pu faire de vidéo à cause j'étais aux États-Unis et en même temps j'étais pas mal occupé comme ça. En même temps, je regarde s'il y a des dinosaures mutants à dresser. Des fois, je vois des beaux argentés comme lui qui avait sur mon porte-avions. Hein. Ben, à voir la vidéo qui l'ont pas vu. Justement, on arrive. Vous voyez justement le kraken. J'appelle tout un kraken. J'ai fait quelques tamis aquatiques. Ok, vous pouvez commencer à voir justement le bateau, les deux bateaux que j'avais fabriqués. Je me tourne comme ça. Ah, il y a aussi le loup. J'ai oublié, je me suis déplacé en loup. Premier bateau, c'est assez simple. Je construis un petit port pour les accueillir. J'ai tout peinturé en métal, des deux tourelles comme ça. À terre assez simple, j'ai deux coffres pour l'instant. C'est assez simple. Ici, je suis là pour conduire. Et lui, le plus récent, j'ai construit hier justement. Je pouvais voir les drapeaux. Huit drapeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non, 6 drapeaux. Avec la même
les mêmes couleurs de lui qui sont mon potager à ma base principale. Il y a des tourelles. 8 tourelles. Hein. Deux tourelles lance-roquettes. L'intérieur est assez simple aussi. Comme ça, le générateur. Deux fenêtres pour voir. Là-bas aussi. Et en plus, avantage de ce bateau-là comparé au porte-à-pousser. On peut voir un minimum qui en conduit. Je crois que ce sera la fin si j'ai rien d'autre à vous montrer. Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. Ouais, ils sont toutes regroupées à cause de... Par accident, j'ai fait un sifflement qui viennent toutes. Ça fait le bordel. Je vais vous montrer un petit peu comme ça le bateau. Je sais pas, j'hésitais à le mettre en métal ou le mettre en pierre. Finalement, j'ai mis en pierre parce qu'on tentait pas que ça donne des effets de rouille comme ça. Bon, là c'est la fin. Sinon, on va jamais s'arrêter. Bon, ben, au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.